Ngocho. President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. The court is back in session. Reprise de l'audience. And the floor is now given to the defense counsel for Mr. Kyusum Phorn to resume her submission in relation to the response to documents presented by the co-prosecutors and co-lead lawyers. Et sa réponse aux documents présentés par les co-avocats principaux pour les parties civiles et l'accusation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'arrive à la fin de ma réponse et je m'attaque maintenant aux documents présentés par les co-procureurs sur le barrage de Trapangsma. Et je voudrais revenir sur un certain nombre de documents, notamment des rapports du comité de région 5. Premier document sur lequel je voudrais revenir, E3-178. Premier passage, ERN en français 00623317. ERN en Khmer 00275596. Et ERN en anglais 00342719. Et ça se poursuit sur la page suivante. Donc ce premier passage qui m'intéresse est toujours en lien, ce qui est intéressant dans ces documents, encore une fois, considérés comme essentiels par l'accusation, c'est de savoir quels sont les éléments qui sont donnés sur le contexte de la région. Et voilà ce qui est dit à l'ERN que je viens de citer. Quant à la culture du maïs et des haricots, comme dans le district de Noms Rock, elle a été complètement endommagée deux fois de suite. Et c'était sur des dizaines d'hectares de champs où on s'est mis à planter alors qu'il n'avait plus qu'une fois. Par la suite, une fois planté, il n'a plus plu. Donc les plantes ont brûlé et sont mortes. Ensuite, il a plu de nouveau. On a recommencé à planter. Mais la sécheresse a sévi de nouveau et les plantes sont mortes, encore une fois. Maintenant, l'objectif est d'attendre un petit peu pour qu'il pleuve en continu, afin de pouvoir recommencer la culture. Quant aux autres cultures stratégiques, telles que le manioc, la patate douce, elles étaient confrontées à la même sécheresse. Et comme la pluie n'est tombée que très peu à certains endroits, on n'a pas encore lancé l'offensive de façon générale. Il en était de même pour les légumes et les arbres fruitiers qui ont été prévus dans le plan. Face à cette situation de sécheresse qui n'est pas normale, nous avons effectué un examen au fur et à mesure et nous avons projeté de soumettre une demande à l'ANCAR entre le mois de mai et le début du mois de juin. En effet, si la sécheresse persistait, je proposerais de retenir les eaux de Stungtom et de creuser des chenaux pour récupérer les eaux de Stungtom. Fin de citation. Ce passage est intéressant parce qu'il donne aussi les conditions auxquelles étaient confrontés même les responsables locaux en termes de gestion de l'agriculture. Il montre aussi que les problèmes de manque de nourriture de la population ne sont pas comme on pourrait le penser. En tout cas, c'est comme ça que on a l'impression que c'est présenté du côté de l'accusation comme une volonté d'affamer la population, mais il y a des vraies difficultés auxquelles les gens font face. Un autre passage qui concerne aussi les districts qui ont été évoqués lors de l'examen de la preuve sur le barrage de Trapangsma, donc toujours Noms Rock. Là, c'est une deuxième citation de ce même document, donc ERN en français 00623318 et ça se poursuit sur la page suivante.
de RN en Khmer, 00275597, et ERN en anglais, 00342721. Le paragraphe qui m'intéresse est celui intitulé « Au sujet du régime alimentaire de la population ». Deuxième paragraphe après ce titre, voilà ce qui est dit. Par rapport au district de Phnom Srok, qui est privé de vivres depuis le milieu du mois d'avril en ce moment, on est en train de s'empresser de le ravitailler grâce aux véhicules de la zone. On a remarqué que les vivres qui sont livrés chaque jour sont consommés entièrement le jour même. Et selon notre estimation, les vivres qui sont envoyés de Tmokmok ne pourraient ne pas assurer la jonction jusqu'au moment où le district de Phnom Srok récoltera le nouveau paddy au mois de septembre et d'octobre si on appliquait le régime fixé par l'Ankar. En effet, d'ici là, il y a encore beaucoup de mois, les mois de juin, de juillet et d'août. De ce fait, comme mesure pour résoudre le problème de ce district, il faut s'efforcer de lancer l'offensive pour achever la riziculture de début de saison. Il faut s'efforcer de lancer l'offensive de la culture du maïs, d'haricots, du manioc, des patates douces et des légumes de toutes sortes. Deuxièmement, concernant les vivres qui sont envoyés par le district de Tmompok, il faut les économiser en mélangeant avec du manioc, des patates douces, des légumes. Et un peu plus tard, il faudra les mélanger avec du maïs, des haricots, pour pouvoir faire la jonction avec la récolte du paddy de début de saison. Fin de citation. Sur la même page, un petit peu plus loin, voilà ce qui est dit. Deuxième paragraphe avant la fin en français. Par conséquent, dans cette année 1977, les deux districts, à savoir le district de Phnom Srok et le district de Prienit Priya, parallèlement à l'offensive de l'accomplissement des tâches de 77, sont préoccupés par le problème des vivres également. Cependant, cette inquiétude en question, nous sommes absolument déterminés à lui trouver des solutions de façon collective au sein de la région, à la fois pour le district de Tompok et le district de Sisopon. Et ceci pour se solidariser ensemble pour arriver à résoudre les problèmes à tout prix, afin de rassembler les forces d'offensive très puissamment dans l'accomplissement des tâches du parti. Au sujet du régime alimentaire qui a cours sur le front avant et dans le secteur d'offensive de la riziculture de début de saison, en ce moment, il s'est réduit à deux boîtes de riz décortiquées seulement. En effet, si on avait continué le régime de trois boîtes de riz décortiquées, cela aurait affecté les districts qui étaient victimes de pénuries. Avec un régime à deux boîtes de riz décortiquées, il pourrait rester une boîte de riz décortiquée qu'on prélèverait pour les districts qui étaient en manque. Fin de citation. Ces passages nous apparaissent intéressants parce que ils tendent à montrer que lorsqu'il y avait des problèmes de pénurie dus à des problèmes de sécheresse ou d'autres problèmes, il y avait, semble-t-il, une gestion interne au sein de la région et au sein de la zone. C'est intéressant aussi de noter qu'il y a des ravitaillements qui sont organisés d'un endroit à l'autre, et sachant que la dernière page du document montre que ce document est à adresser au secrétaire de la zone, au bureau 560 et aux archives. On note qu'en tout cas, au niveau interne de la zone, il y a des gestions et de la coopération d'un district à l'autre qui peuvent expliquer aussi des ajustements dans le régime alimentaire par rapport à la solidarité avec d'autres régions. Donc ça, c'est un point qui nous semblait intéressant à noter dans ce document jugé essentiel par l'accusation. Un autre document dans le même sens qui montre toujours qu'il y a une préoccupation par rapport à la nourriture et par rapport aux intempéries. Le document E3-179, ERN en français 00
236-772, ERN en Khmer 00008501 et ERN en anglais 00183016. Ça parle de la cinquième région. Et voilà ce qui est indiqué. Des maïs, tout comme soja cultivés, ont été endommagés à deux reprises à cause de la sécheresse. Il en est de même pour des jutes, des patates et des légumes. Nous portons notre attention sur l'élevage. Nous sommes en train de préparer au fur et à mesure des poulaillers et étables. Fin de citation. Et c'est après cette citation que vient la citation qui a été faite par l'accusation sur la réalisation des bassins de Trapangtma. Et on ne peut comprendre la question de la réalisation des bassins de Trapangtma si on oublie ce premier passage préalable, à savoir les conditions de l'agriculture suite à la sécheresse. Donc c'est un élément qu'il nous semblait utile de souligner. Un autre document sur lequel nous aimerions revenir est le document E3950, qui a priori un rapport adressé à l'ANCAR 870 du 11 mai 78 par Nîmes, ERN en français 00296222, ERN en Khmer 00021044 et ERN en anglais 00185216. Voilà ce qui est dit dans ce document. Mesure de résolution. Faire des efforts pour résoudre les vivres pour la population conformément au régime fixé par l'ANCAR, c'est-à-dire deux boîtes et demie à l'avant et une boîte et demie à l'arrière avec la patate, le maïs et les haricots en combinaison. À part cela, on s'efforcera de résoudre le problème des vêtements, de la fièvre, du logement au fur et à mesure. Il en est de même pour le poisson et la viande. Fin de citation. Ce document nous apparaît important, cette partie en tout cas, à souligner, puisqu'il semble indiquer que la question des vivres et des conditions de vie de la population sont parmi les préoccupations des responsables. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent dans leur rapport et qu'à chaque fois, ils indiquent qu'ils travaillent à régler les problèmes de la population, résoudre le problème, pour reprendre le terme qui figure sur le document. C'est un élément qui, à notre sens, est important et encore une fois, c'est un élément de contexte important pour ensuite revenir à la question de l'eau et des bassins qui est évoquée par la suite, puisque c'est en lien avec les efforts pour résoudre les vivres pour la population. Un autre document qui va également dans le même sens, c'est le document E3-863. C'est la première page dans les trois langues, à savoir en français 00623408, ERN en Khmer 00076286, ERN en anglais 00321961. C'est au petit 3 de ce document, puisque une partie de ce paragraphe a été citée par l'accusation, mais elle n'a pas cité ce qui venait avant, et je tenais à remettre le passage en contexte. Voilà ce qui est dit à ce petit 3. Le travail de production a été exposé dans ce procès-verbal.
Mais je voudrais réaffirmer que les travaux ont été effectués dans toutes les régions. Le PADI de fin de saison, de début de saison et différentes plantes. Cependant, ce n'est pas encore à maturité. On a pu en cultiver beaucoup plus que les années précédentes. Quant à la pluie, il y a déjà un peu d'eau de pluie, de l'eau de pompage et de l'eau des bassins et de l'eau des canaux. Il y en a déjà une certaine quantité. De ce fait, on a la possibilité de faire de la culture dans tous les coins. Les semences, toutes les régions en ont suffisamment en réserve, en conformité avec les plans des terres. Il n'y a que la région 5 qui a rencontré un problème de manque de semences en début de saison. Et voilà où intervient la citation faite par les coprocureurs, à savoir « J'ai travaillé avec le camarade Rin, il suffit que le camarade arrive à produire plus de 14 000 sacs de semences et on pourrait les semer sur toutes les terres que le camarade a planifié de cultiver ». Fin de citation. Donc là encore, remise dans le contexte de la question de la sécheresse et des bassins et de l'irrigation pour venir au bout, à bout de ces problèmes de sécheresse et permettre de cultiver à la fois le riz, mais également des cultures vivrières. Enfin, et ce sera mon dernier point sur le barrage de Trapentemain, c'est un petit peu pour fermer la boucle, j'en reviens à ce par quoi j'ai commencé ce matin, à savoir qu'un autre point important des documents présentés par les coprocureurs sur Trapentemain sont des déclarations de témoins issues d'autres instructions sur lesquelles je ne serais pas complète si je ne terminais pas en disant que nous avons peut-être manquer de vigilance et de réactivité en ne nous opposant pas systématiquement à l'introduction de documents venant de 003 et 004 qui ne sont pas des déclarations antérieures de témoins qui viennent déposer à cette barre ou qui ne sont pas en lien avec des personnes décédées ou étant indisponibles pour venir témoigner. Mais en tout état de cause, nous ne manquerons plus de vigilance à l'avenir et la grande fermeté avec laquelle nous avons rappelé l'importance de garantir les droits de l'accusé ne saurait être complet si, dans le cadre de versement en preuve de documents qui n'auraient pas dû être versés en preuve, vous n'en prenez pas la mesure et vous ne prenez pas la décision qui s'impose, à savoir considérer ces documents comme n'ayant que peu de valeur probante en l'absence de comparution de témoins à la barre et en les écartant d'une décision que vous serez en mesure de rédigée à la fin de la présentation des moyens de preuve à charge et on espère aussi à décharge. Encore une fois, cet exercice auquel nous nous sommes livrés ce matin est une remise en perspective parce que vous avez un nombre important d'éléments de preuve qui vous sont soumis. Vous avez des parties qui peuvent être à charge ou considérées à charge et des parties qui peuvent être considérées à décharge. Et vous, en tant que magistrat, vous devez faire la balance entre les deux et ne pas vous contenter d'une lecture linéaire des documents, mais également savoir ce qui, dans la défense des accusés, peut être conforté également par les documents figurant en preuve, y compris ceux présentés comme étant essentiels pour l'accusation. J'en aurai terminé de ma présentation ce matin et vous remercie du temps que vous m'avez accordé pour ce faire. President, le président. Thank you. Merci. We now conclude the proceedings of hearing the presentation and response to key documents in relation to the three work sites. The first in Ritan, Kampong-Chinang Airport, and the Pentemont Dam, respectively, ainsi que la réponse de la défense. The chamber now proceeds with hearing testimony of a witness, that is 2TCW813, for the treatment of the jam people. Court officer, please usher the witness 2TCW813 into the courtroom. À savoir le traitement du jam.
Lui, c'est l'audience. Veuillez faire entrer le témoin 2 TCW 813 dans le plateau. President, good morning, Mr. Bonjour, Witness. Monsieur le témoin. What is your name? Comment vous appelez-vous? Witness, my name is It Sen. Je m'appelle It Sen. President, thank you, Mr. It Sen. Question. Merci, Monsieur. When were you born? Quand êtes-vous né? And Mr. Itzen, please Monsieur observe Itzen, the microphone. That is when you see the red light on the tip of the microphone before you speak. So that the response will go through the system, in particular through the interpretation system, audio, so that the response can be simultaneously interpreted into two other languages of the court, namely French and English. Again, Mr. Witness, when were you born? Une fois de plus, Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire votre date de naissance? Answer, I cannot recall that, Mr. Je President, pas, I am 63 years old 63 ans. Now. President, that is fine. Le Président, aucun problème. And do you recall where you were born, Mr. Etzen? Où vous êtes né, Monsieur Etzen? Again, please observe the microphone. Veuillez attendre que votre micro soit allumé. Answer. Réponse. I was born in Ampel. Je suis né à Ampel. Par Krochma, Kampong Cham province. De Krochma, province de Kampong Cham. Question. Question. And where is your current address? Quelle est votre adresse actuelle? Answer. Réponse. I live in Ampel village. J'habite Dambai, dans le village de Dambai. Kampong Cham. Kampong Cham. Kampong Cham province, Kampong Cham, president. Province de Kampong Cham. It is now in Tbong Khmom. Is that correct? Maintenant, ou plutôt, c'est maintenant Kampong Khmom, n'est-ce pas? President.
What is your current occupation, Mr. Itzen? Quelle est votre profession, Monsieur Itzen? Again, please observe the microphone. Et veuillez, je vous prie, attendre que votre micro soit allumé. And réponse. In Ampere village. Dans le village de Ampere. I worked in a plantation. Je travaillais sur une plantation. In a cashew nut farm. D'acajou. Question, and what are the names of your parents? Question, et comment s'appellent vos parents? My father is Ed, and my mother is Ver. Et ma mère s'appelle Ver. Matti Ver. President, and what is your wife's name? Question. And how many children do you comment have together? Et combien d'enfants avez-vous? My wife's name is Mankes, says the witness. Mankes. And we have six children. Nous avons six enfants. That is five sons cinq and one daughter. Et une fille. President, président. Thank you. And merci. I noticed the defense counsel, Consumon, is on his feet. You may proceed. Maître Consumon, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. I noticed that the witness seems to read from je a piece of paper that he is holding in his hand. Qu'il a dans les mains. President, court officer, please. Le président. Can you go and see what is in his hand? Oh, allow me to tell you, counsel, in fact, in his hand is a swearing text that he will be instructed to do soon. And Mr. Itzen, according to the verbal report by the greffier, d'après le rapport du greffier, none of your parents' children or wife or any of other relatives have any relationship by blood or by law through any of the two accused, that is, Nunchi and Kirsten Porn, or any of the civil parties admitted in case 002. Is that information correct? Answer, yes, that is correct. President, thank you. And Mr. Itzen, which religion are you practicing? Quelle est votre religion? And so I practice the Quran. Je pratique le Coran. President. And Mr. Witness, you are required to make an affirmation to swear before the chamber so that your testimony can be used officially. And Ms. Akobote, please follow with the procedure of the swearing in of this witness according to his religion. D'après sa pratique religieuse. Greffier, Mr. Witness. Monsieur le témoin. Allow me to lead you with the permettez-moi process of swearing in. Please place your right hand on the Quran Bible. I will read the text and please repeat my words. Je vais lire et veuillez répéter. That is the following text. I would like to answer only the truth from what I witnessed, heard, know, and remember. In the name of an Islamic believer who have only Allah as God, Muhammad as Allah's messenger, and the Holy Quran as the guideline for me to follow, I would like to swear in front of the Holy Quran, Wallahi Billahi, which verify that all what I am going to say is true. Please repeat the words. Veuillez répéter, je vous prie. President and Mr. Witness, please wait until the light on the tip of the microphone is on. Que votre micro soit allumé. Witness. Le témoin. I would like to answer only the truth from what I witnessed, heard, know, toute la vérité and de remember. Ce dont j'ai été témoin, de ce que j'ai entendu, in ce the que name j'ai su, ce dont of an Islamic believer
who have only Allah as God, Muhammad as Allah's messenger, Muhammad comme messager d'Allah, and the Holy Quran as the guideline for me to follow. I would like to swear in front of the Holy Quran, sur le Coran. Wallahi billahi, Wallahi billahi, which verified that all what I am going to say que ce que je vais dire is true. Est la vérité. President, thank you, Mr. Itzen. Merci, Monsieur Etsen. The chamber now will read you your right and obligation. La lecture de vos droits et de vos obligations en tant que témoin. Mr. Itzen, as a witness, Monsieur Etsen, vous comparaissez devant la you chambre en qualité the right against self-incrimination, and however, you are obliged to respond to any questions vous devez répondre by the bench à toute question or posée relevant par le juge parties, ou par les parties, except where your response or comment to those questions vous pouvez might incriminate you. Toutefois, de répondre ou de faire des déclarations as the chamber has just informed you of your right as a witness. And you must tell the truth that you have known, heard, seen, en tant que témoin, remembered, experienced, or observed directly la vérité, about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Vous avez souvenir en rapport avec la question qui vous est posée par le and juge Mr. Etsen, have you been interviewed by avez-vous investigators from the office of the co-investigating judges? If so, how many times le cas échéant, when and combien de fois, where? Quand et où? Answer. Réponse. I was initially interviewed at Ampel Village j'ai in Pars Commune, Krochma district. Dans le village d'Ampel, district and de Krochma. Then I was la première fois. Interviewed a second time et j'ai aussi in entendu Ampère. Une deuxième fois. So cette in total, Ampère. I was interviewed au total, twice. Donc, j'ai été entendu deux fois. President, thank you. Le président. And merci. Have you reviewed or read the written record of your avant interviews that you just said that you were that you gave to the OCRJ investigators for the two interviews in order to refresh your memory. Juge d'instruction afin de vous rafraîchir la mémoire. And I recalled every account. I recalled how I was mistreated. Je me souviens de tout. During je me souviens de la façon dont on m'a maltraité question. Sous le régime. And have you actually reviewed or read the two WRIs? Les deux procès-verbaux d'audition. And so I have just read them. Oui, je viens tout juste de les lire. Question, and to your best knowledge and recollection, votre connaissance. The statements that you provided in the two WRIs. Les réponses dans ces documents. Consistent with à ce que the vous actual avez dit words that you provided to the OCRJ investigators du bureau des co-juges d'instruction. During the two interviews. Answer. Réponse. I read the written record and j'ai lu les procès-verbaux. They reflect the actual words et that I ils use. Correspondent à ce que j'ai dit. President, thank you. Le président. And pursuant merci. To Rule 91 bis of the ECCC internal rules, the chamber will hand the floor first to the co-prosecutors to put questions to this witness and the combined time
for the co-prosecutors and the lead co-lawyers for civil parties. Through sessions, it means you have the whole afternoon today. You may proceed. Pour votre interrogatoire. Et vous avez la parole. Thank you, Mr. President, Your Honors, Counsel. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les Good juges, morning, Mr. Bonjour. Witness, Mr. Itzen. My name is Bonjour, Dale Isaac. I'll be asking Dale you some questions for Je the rest of this morning and this afternoon. Ce matin, and l'après-midi. I'd like to start with some questions about your background, vous posez quelques questions à propos, where you're from, and what it means to be a CHAM. Est-ce que cela signifie in your OCIJ interview, dans votre procès verbal d'audition, you've indicated that the Khmer Rouge arrived in your area in 1973, dans votre zone, at which time you were living in Ampol village, Krokmar, the district Kampancham. Can you tell us, was Ampol a CHAM village? Ampol était un village CHAM. Answer. Réponse. In fact, it was an adjacent village to Akmai village. We live in that village, and adjacent to our village was Akmai village, and adjacent to the Akmai village was another CHAM village. À côté du village Khmer, il y avait un autre village CHAM. Did you say you were adjacent to a Khmer village? And if so, what was the name of that village? Comment s'appelait ce village? Réponse. It was a Pik Kruj. C'était Pik Kruj. Near the village that I lived in, the adjacent village was Pa. Et l'autre village so we actually Pe. Had Khmer people living in Pa village, donc and the adjacent was another, it was also a Pa village, but it was the part where the CHAM resided. En fait, c'était le même village, mais il y en avait une partie où habitaient les CHAM. And as of 1973, what's your best recollection of how many CHAM families that lived in Ampol village? Souvenir, nous dire combien de familles CHAM vivaient dans le village de Ampol? Combien de familles vivaient dans le village? I could not have the figure, but to my recollection, there were more CHAM people living there than the Khmer people. Plus de CHAM que de Khmer dans ce village. And I refer to that village and the adjacent villages as well, but I cannot give you the total number of families. Nombre total de familles. There were CHAM people living in other villages within that commune. Dans cette commune. Thank you. You are our first witness. Merci. In the trial segment that is going to deal with the treatment of the CHAM people. So I wanted to start by asking you a fairly a general question. Can you tell the court as best you can who the CHAM people are? Qui sont les CHAM? What does it mean to be CHAM? Qu'est-ce que cela signifie d'être CHAM? CHAM. Réponse. The CHAM practice the Quran, Bible. Les CHAM and they le Coran were considered ordained Muslims. Et sont considérés comme des musulmans. Did the CHAM people have their own language? Les CHAM ont-ils leur propre langue? Mien. Réponse.
Yes, and they practice the Quran, the Bible. Oui, et ils pratiquent le Coran. And do the Cham have their own culture and traditional clothing? Question. And can you tell us a little bit about culture, the Cham culture and traditional dress worn by its people? Des vêtements que portent les Cham et de la culture Cham. Some follow the traditional practice in terms of a traditional and dress, while others practice the modern tradition. Portent les vêtements traditionnels, d'autres suivent des traditions modernes. What about back in the early 1970s, before the Khmer Rouge arrived in your area? Did most people wear traditional clothing back then, or was it mixed, as you've just described? Ou était-ce mixte, comme vous venez de le dire? Réponse. The Khmer Rouge took control of us, the Cham people, and they forced the Cham women to cut their hair. And we were not allowed to practice the our prayer. De pratiquer la prière. Thank you, Mr. Witness. I'm going to get to what happened to your people when the Khmer Rouge arrived fairly soon. I want to talk a little bit about what life was like for you before the Khmer Rouge. Can you tell us, for people who travel around Cambodia, most of us recognize Cham villages and Cham people by the traditional clothing and the headdress worn by the Cham women. I wanted to ask you, are there other distinct features of the Cham people that allow you to identify a person who is Cham? And what I mean by that is, aside from clothing, how would you recognize or tell if a person was Cham? Besides the costumes, you can identify a person was a Muslim when he or she went to mosque to pray, and that they refrained from smoking for a certain period of months in a year. Qu'ils s'abstiennent de fumer pendant une certaine période de l'année. And what about when Cham people speak the Khmer language? Do you know whether Cham have a distinct accent or dialect that can be recognized when they speak Khmer? From the times that the Khmer Rouge took control of the country, the Khmer Rouge forced us to speak Khmer and not to speak our Cham language. And that happened since 1971 or 72. What about names used by the Cham people? Are there distinct or unique names that are used by Cham
that are different than Khmer names. Pour les Cham qui sont distincts des noms Khmer. Réponse. I did not grasp the situation. Je n'ai pas compris la situation. My question was about names that question. You give to your children. Je parlais are ici the des names noms that Cham people use, are they unique or different Est-ce than names that are used by Khmer people? Des noms qu'utilisent les Khmer. For the Islamic people, we named our children differently from those names used by the Khmer people, namely Sen, Sok, or Ibsen, Ismael, or Ismael. Ismael. And question. Can you tell us where the Cham people lived in Cambodia during the early 1970s. Were there particular areas in Cambodia where the Cham people were concentrated? Our Islamic people liked to live together, although it might seem crowded. Même si ça we un peu bondé, do not want to live separately. Nous ne voulons pas vivre séparés. Yes, and my question was there particular parts of the country, particular provinces, districts, or areas where most of the Cham people lived? There were many of us living in Kampong Cham province, and I can say the majority of Cham people lived in various parts of Kampong Cham province. Were there a lot of Cham people who lived along the Mekong River in Kampong Cham? Du fleuve du Mekong à Kampong Cham. Yes, there were many. Réponse, oui, il y en avait beaucoup. Many Cham came to live along the area and at the new lands, le villages are full of Cham people in this area. Plein de Cham à cet endroit. I want to ask you specifically too about the district you lived in, Krok Mar district. Can you tell us, give us an estimate of what percentage of the people in that district were Cham back in the early 1970s? Answer. There were many of us living together, close to Khmer villages. Près de villages Khmer. We lived along the river in Kampong Cham. De la rivière à Kampong Cham. We were in adjacent villages. Nous there are some, dans des villages adjacents. For example, one village consisted un village of Cham people, and then there would be Khmer village et il y avait in Krok Mar. Également un I Khmer. Could say that there were two Khmer villages, and adjacent to two Khmer villages, Khmer there was one Cham village. À ces deux villages Khmer, il y avait un village Cham.
I want to get your reaction, read to you something that was written by an author who has written about the CHAM, a person named Ben Kiernan. This is in document E3/1593, ERN Khmer 00637755, English 00678632, and French 00639022. This is what he wrote. Quote, Muslims form a near majority in only one district, Krok Khmer, in northern Kampong Cham. They live together in big villages, their houses clustered side by side. In the 1950s, the Cham there numbered well over 20,000 in very big communities of garden farmers, fisher folk, butchers, foresters, and weavers. End of quote. Mr. Witness, does that help refresh your memory about the number of Cham who lived in Krok Khmer district? Is it correct that the Cham people were nearly the majority of people in that district? I'm sorry, Mr. Co-prosecutor, I could not get your question. Je suis désolé, Monsieur le Co-prosecutor, je n'ai pas compris votre question. Could you repeat it, please? It is not clear to me. Thank you. My question is, do you remember whether the Cham people were almost a majority of the total number of people in Krok Khmer district? Please wait, Mr. Witness. You have the floor now, Mr. Koper. Thank you, Mr. President. I don't think this witness would be in a position to give estimates as to majority of Cham in this particular district. I think he is able to say something about his own village, maybe some adjacent villages, but it goes too far, I think, to ask from this witness such demographic details as to the population composition. So I think he cannot answer that question. Mr. President, I think the witness. Council Gongsamun. Mr. President, according to the testimony of this witness a while ago, when the co-prosecutor asked about Muslim in the Ampel village, the witness said that he did not know the number of figure of people living in Ampel. And now the co-prosecutor started to ask the population in Krok Khmer, and I believe the witness may not have any knowledge about the population. And I heard witness stated a while ago that after adjacent to two Khmer villages, there was a one Cham village. So I believe that there were many villages, Khmer villages, in that area. The co-prosecutor now is quoting the figure from a book by Ben Kiernan, and I believe that this witness may not be able to recount or tell the figure of Cham people living in that area. And Mr. President, I appreciate the comments. I'm not asking him for a specific number. I'm asking him for his memory as to whether, as Ben Kiernan has written, the Cham people were nearly the majority in the district in which he lived. I think it's a fair question. If he can't answer it, he can't answer it, but I think the question can be put to him. Et je pense qu'on doit tout à fait pouvoir lui poser la question, quoique j'apprécie tout à fait les commentaires de mes confrères.
President, Mr. Witness, President, Monsieur le témoin, are you able to give your answer to the last question put by co-prosecutor? If you do not know, please say so. Witness. I have no idea about the figure, and perhaps at that time I was working in the farm and I did not have any idea about the figure at that time. President, the witness stated very clearly that he have no knowledge about the figure of Cham people. The witness did not say that he did not understand the question. Now it is time for the break, and we will have lunch break now, and we will resume in the afternoon at 1:30. Court officer, please find a proper place for this witness during the lunch break, and please return him into the courtroom at 1:30. Court officer, security personnel are instructed to bring Mr. Kyusum Pond to the holding cell downstairs and have him return into the courtroom at 1:30 in the afternoon. The court is now in recess.